Mais t'as fait ta petite coupe à la Jean-Michel. La coupe à Jean-Michel, regardez-moi ça les amis. 1, O, A, E, O, U, j'aurais peut-être dû enlever, attends. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Salut. C'est interdit. Ah ouais. C'est violation de droit d'auteur. Je l'ai pas violé. J'ai envie de se dire. C'est mon coca. Un coca frais, chacal. Ah. Coca bien frais, chacal. Alors, les amis, petite vidéo. Déjà, bonsoir. Bonsoir. On va tester les produits de Naturalia. Dont la pâte à tartiner de chair, à ce qui paraît. Elle est pépite, mais peut-être va tour. C'est dur, ouais. Et pas une ouverture facile. Bah si, c'est là. Ouvrir ici. Ah. Ah. Je crois que le coca, il va y aller ton voyage. Avec toi. J'y arrive pas. Ça commence déjà à venir. 3 quarts d'heure pour ouvrir la boîte. Il va tout casser. Nadia, attends. Ils ont fermé ça bien, les gars. One eternity later. Alors, le seul produit qui est de Chira, bien évidemment, c'est la pâte à tartiner, mais il y a des chocolats aussi. C'est la collection de Noël. Bien sûr, c'est plus Noël, hein. On est déjà en 2022, les amis. Alors, assortiment bonbons vegan, praline noisette et cœur de cacahuète. Comme les youtubeuses beauté. Ensuite, on a truffe croustillante chocolat fourré à la cacahuète. En tout cas, les packages sont pas mal. Ensuite, on a des tablettes de chocolat avec un ticket d'or. Oh, comme Willy Wonka. Exactement. Carré lait fourré, noisette craquant, biscuit, vin vieux, attends. Ensuite, on a coco toasté à la fleur de sel, chocolat noir incrusté. Alors, bien sûr, on va pas tout manger d'un coup, on va juste goûter. Non, on ne veut pas être malade. Et chocolat noir incrusté. Amande chouchou. Voilà, là on a de quoi faire, hein, en chocolat. Hein. Ah, et le plus important, le précieux, le Saint Graal. Une recette de chair à pâte à tartiner, 42% de noisettes au biscuit croustillant. Alors, ingrédients, noisette, 42% de sucre de canne, éclat de biscuit, lait écrémé, peut contenir des traces d'alcool. Bon, bref. Et ben, nous allons goûter ça. Déjà, c'est comme un petit pot de miel, tu sais. Faut touiller, je crois. Il me semble qu'elle avait dit qu'il fallait touiller. Non, mais non, faut touiller, faut pas mettre sa grosse langue dedans. Et sa grosse langue. Non, faut touiller. Mais oui, elle a dit. Ouais, il y a plus grand chose, hein, dans le mariage. Putain, la vieille brillante. Ça fait peine. Mais on va la finir, hein, c'est le 4 heures, les amis. Hein. C'est le 4 heures à 5 heures. Le 4 heures à... Ouais, 5 heures, on va dire ça, ce dimanche. Parce que j'ai fait ma petite sieste. Nous allons touiller, d'après ce que tu m'as dit, hein, si Chira l'a dit. Ah oui, t'as vu la Dieu. Oh mon Dieu, attends, c'est du plâtre avec ça, ouais. On monte un mur. 2 hours later. Waouh, Chira. Fort pour goûter sa pâte, hein, faut avoir envie. Non mais attends, t'as vu le pâté que ça fait. Mais oh, moi je veux goûter la pâte à Chira, quoi. Tu as l'air consistante, hein. Bah écoute, ça s'effrite là, regarde. Bah oui, c'est du biscuit qu'il y a dedans. C'est du biscuit. Ça colle au palais. Ouais. Non. Ouais. Ça fait penser à la pâte à tartiner de Thibaut, à la même texture, tu sais. Mmh. Mais c'est pas mal. Ouais, elle est bonne. Ouais. Mmh. Par contre, faut boire un truc après. Mmh. Mmh. Ça colle. Ouais. Ça sent les petits biscuits. Mmh. Oh, moi, j'aime bien. Ah, c'est pas mal, ça change en fait. C'est juste la texture qui est un peu merdique. Ouais, un peu. C'est pas l'habitude, quoi. Bah oui, on a l'habitude du Nutella. Non, non, nous c'est du ciabatta. Ah oui, pardon. Bah écoutez, pas plutôt pas mal cette petite pâte à tartiner. Je donnerai une petite note de 7 sur 10. C'est une bonne note, c'est correct. Pas non plus la pâte à tartiner. Non. De ouf. Et toi? Ça va, goûter comme ça. Ça va. T'as déjà mis de la brioche. C'est vrai que la texture, on dirait tu sais un peu, on dirait tu peux pas traverser dedans. Alors après on va goûter les assortiments de bonbons vegan, praliné noisette et cœur de cacahuète. C'est sans huile de palme. Attention, on va goûter ça les amis. Oh, on n'a pas beaucoup. C'est un assortiment. Du chocolat noir, du chocolat blanc. Donc aussi les petits carrés que nous goûtons. Mais apparemment il y a plein d'assortiments, ou le nom. Hein. Alors praliné noisette. Ah oh, waouh. On sent une... Tiens, après, faut goûter cette cuillère. C'est vegan, ça? Apparemment, ouais. Et celui-là, ça doit être cœur de cacahuète, alors. C'est peut-être pas pareil, du coup. Tu en as d'autres. Du coup, c'est pas fait à base de lait, de vache, de... Non. Ah, oh, c'est... C'est particulier. Goûte, si tu veux. T'as vu? T'aimes bien ou... C'est chelou.
Ça chaud. N'attendez pas, fais voir avec une quoi. Après, celui-là, c'est pas vegan. C'est des truffes donc croustillantes chocolat fourrées à la cacahuète. Pareil, sans huile de palm. Là, il y a 100 grammes. Oh ouais, c'est tu sais pourquoi. C'est quoi. C'est du riz. C'est du riz. C'est du riz. Regardez les petites truffes, les amis. Wow, c'est du lait de riz. C'est bon quand même. C'est pas mal, hein. Ça change. Mais attendez pas, quoi. En fait, ça change. Ouais. Celui-là, c'est pas vegan. Non, ça, c'est pas vegan. Avec du bon gros lait de vache alors. Truffe fourrée à la cacahuète, enrobée de chocolat noir à 70% de cacao minimum et recouverte de quinoa caramélisé. Ah oui. De sang. C'est grave bon. Sachant. Ensuite, là on a chocolat noir incrusté amandes et chouchou. Et chocolat noir avec 70% de cacao minimum incrusté d'amandes caramélisées. Bouton là. Un carré. Ah on le sent ouais, là après. Le quinoa. Ouais. Un quinoa. Oh. Déjà c'est pas dans un papier d'alu. Mais c'est pas très écologique le plastique. Non. Vu que c'est pas de se bouffer. Il est dur, ouais. Il n'y a pas le ticket, alors. C'est bon. Ah ouais. Ah, oh, il est bon. Ah, j'adore. Ensuite, on va tester coco toasté à la fleur de sel. Chocolat noir à 70% toujours. Le cacao minimum à fleur de sel incrusté de copeaux de noix de coco toasté. Oh. Oh. Oh, wow. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? J'aime bien. Ouais, c'est celui que j'aime bien pour l'instant. Ah, la vache. Ah ouais. Wow. On sent la noix de coco, hein. Vas-y, goûte. Pas de ticket d'or non plus dedans. Je l'ai pas vu. Ça fait quoi si on a un ticket d'or? Après, faut scanner et on gagne quelque chose. Ah ouais. Bah, celui-là, ça va, je préfère. Autant les autres, c'est particulier. Celui-là, le vert, là. Ouais. Chelou. T'en penses pas? C'est pas mal, hein, coco. Coco, ouais. Et le dernier, carré lait fourré noisette craquant biscuit. Donc, bonbon de chocolat au lait 40% de cacao minimum au praliné noisette et éclat de biscuit. Oh, en fait, c'est pas une tablette, c'est des carrés, quoi. Tu vois, il y a moins de grammes. Il y a 80 grammes. Celui-là, il y a 100 grammes. C'est déjà tout séparé, regarde. Ouais, c'est du chocolat normal, quoi. Attendez, je remonte, je reprends. Ok, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment particulier, quand même. Et c'est rouge, là. Ouais, celui-là, il est particulier. Je mettrais une note de 5 sur 10. 6 sur 10, ouais. Après, c'est qu'on n'a pas habitué. C'est vegan. Ouais, bah, c'est ça, on n'a pas. C'est pour ça. C'est le lait de riz qu'on n'a pas habitué. Truffe croustillante, fourrée à cacahuète et quinoa. Ça, j'ai bien aimé. C'est pas mal. Là, je vais mettre un bon 7 sur 10. Après, sur les 3 chocolats, celui que j'ai vraiment kiffé, c'est mon amande chouchou. C'était le premier, en fait. Bon, moi, j'ai bien kiffé. Après, c'est noix de coco. C'est pas mal. Ouais. Le carré de lait, voilà, c'est basique. Ouais, on va dire, allez, bon 7 sur 10 pour tous. Quand même, ça reste des bons chocolats. Bon, cette pâte à tartiner, ça va, elle est pas mal. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne, voilà. Ça passe bien le matin. Tu trempes ça dans ton café, comme ça se dissout. Bon, pas de café, compact. Mais c'est pas bon. Bon, on n'a pas eu du ticket d'or, je suis déçu. Je sais pas ce qu'on aurait pu gagner. Et toi, t'as aimé? Ouais, moi j'ai aimé. T'as une préférence sur tout ça? Le violet, c'est la coco. Ouais. Ouais, j'aime bien le violet. Merci. Allez, repense. Hein. Parce que moi, j'aime bien le chocolat noir. Ouais, je vais faire plus sur notre coco. Ça que les gens voient pas ce que tu fais. Meuf, elle se gratte la chatte. Non. Moi voilà, c'était le test des produits de Naturalia avec la pâte tartinée de Chéra. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous les amis. On se retrouve pour la prochaine dégustation. Des bisous.